Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Multigaming. Aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 2 sur la map Karachi en mode essentiel pro, donc en mêlée générale. Donc je le rappelle, hein, le mode essentiel pro est un mode mixte, donc composé du MME et de la mêlée générale. Donc l'avantage de ce mode, c'est qu'il n'y a pas de killstreak, donc pas tout le temps de gens qui font la nuque, ou alors de Harrié, de Pavlo ou autre. Donc c'est vraiment très 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 agréable à jouer. Notamment donc en mêlée générale, il y a beaucoup moins de boosters, donc bon, vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Donc on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 2, un jeu que j'apprécie tout particulièrement, à part quelques petites choses, je vais vous en parler un peu après dans la vidéo. Donc je joue à la classe intervention, sersant tactique, grenade paralysante, donc c'est balles chemisées, tigre bleu. En arme secondaire, les Colt Anaconda, Kimbo, qui sont vraiment très 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 redoutables, hein, il faut l'avouer. Passe-passe pro, force de position pro et commando pro. Bon, je joue aussi pas mal aux barrettes parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre un peu de l'intervention. Donc je vais switcher sur le barrette. Donc vous allez voir que dès le début, bah voilà, j'étais pas mal chaud. Et puis je vais me faire tuer bêtement. Voilà. Donc, ah non, j'avais visé solide, pardon. Parce qu'avant je revenais d'une séance trickshot sur iRise en privé avec quelques membres de ma team, donc bon. Alors juste pour préciser, je joue avec Paradise, donc que vous avez vu précédemment dans mes dernières vidéos. Donc bon, on va parler aujourd'hui donc de Modern Warfare 2, donc de mes impressions dessus, parce que vous avez vu que j'ai pas mal switché, hein, sur les Call of Duty. J'ai essayé de faire du Modern Warfare 3, du Black Ops, du Call of Duty 4, et là du Modern Warfare 2 pour vous proposer un maximum de variété. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire autre que du Call of Duty, je vais vous expliquer ça un peu après dans la vidéo. Donc tout d'abord, faut savoir que là, à l'heure actuelle où vous regardez ce gameplay, je l'avais précisé déjà dans la dernière vidéo sur Code 4, que je suis en vacances. Et cette vidéo sur Modern Warfare 2, en fait, je vous explique. J'ai prévu de faire toutes mes vidéos en avance, donc en 5 jours, j'ai dû faire toutes mes vidéos pour un mois et une semaine, donc c'est le temps pendant que je pars en vacances. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais il reste une semaine sans vidéo, je ne voulais absolument pas que vous ayez une semaine sans vidéo, enfin, je voulais au plus l'éviter. Et donc, je me suis dit, ah merde, et en fait, en 1h, j'ai dû, 1h30, j'ai dû faire le gameplay, le mettre sur l'ordi, après faire le montage, enfin le commenter, faire le rendu, et bah là je vais l'upload après ayant commenté et fait le rendu. Donc bon, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc c'est pour ça que déjà le gameplay n'est pas non plus un truc de malade mental. Sans mêlée générale, bon, je vais quand même faire un minimum de score, mais c'est pas non plus un truc de malade. D'ailleurs je m'en excuse, mais j'espère qu'il sera assez bon pour vous pour regarder, parce que c'est vrai que c'est pas souvent agréable quand on a un gameplay aux yeux et on ne fait aucun kill et il y a beaucoup plus de morts, c'est complètement désagréable. Et je le comprends. Donc voilà, après voilà aussi la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de vous faire autre que du Call of. Bon, je me suis quand même débrouillé pour que vous ayez des vidéos en live, donc des vidéos fun, notamment celle des 700 et des 800 abonnés. D'ailleurs je continue à remercier les 700 et les 800 abonnés, hein. Je vous remercie fortement. Bon, là j'ai mis très un peu parce que j'étais un peu énervée, parce qu'il y avait mon petit frère qui passait à côté de moi, il me titillait, comme on dit, enfin il m'embêtait, enfin bref. J'excuse la personne à laquelle j'ai mitraillé, hein. Ouais, donc c'est pour ça que, bon, j'ai quand même essayé, comme je vous ai dit, de faire des vidéos en live et un peu rigolotes, et de changer un peu de la routine, en vrai, vous allez me dire. Donc, on est, comment dire, on est en essentiel pro. Alors, pourquoi j'ai en essentiel pro? Déjà, je l'ai dit précédemment au début de la vidéo, déjà, il n'y a pas de killstreak, donc c'est très agréable. Pour moi, Modern Warfare 2, c'est vraiment un très bon jeu, et je l'ai dit peut-être deux fois dans toutes mes vidéos. Je regrette vraiment de ne pas avoir commencé à jouer à Call of lors de la période où Modern Warfare 2 était le tout dernier Call of Duty, donc de la série Call of Duty. Tout le monde y jouait, il n'y avait pas de gens qui boostaient, enfin, il n'y avait pas énormément de gens qui boostaient, il n'y avait pas que des gens qui jouaient au lance-grenade. Ça devait vraiment être un plaisir. Et je vous promets, bah, je l'avais dit sur Code 4 d'ailleurs, j'aurais vraiment voulu connaître cette période. Si j'aurais commencé sur Code 4, j'aurais vraiment geeké comme un malade. Modern Warfare 2, c'est exactement la même chose. Alors, Code 4, bon, il y a beaucoup moins de gens qui jouent au lance-grenade ou autre. La communauté est un peu plus cool, on va dire ça comme ça. Bon, le seul désavantage, c'est vrai, hein, il faut l'avouer, qu'il y a des hackers, mais comme je l'avais dit hier, enfin hier, sur la dernière vidéo, c'est assez passable, hein, c'est pas non plus, ça dérange pas au point que ce soit injouable. Alors que là, c'est vrai que c'est vraiment chiant quand on va dans des parties de domination et de guerre terrestre et que des gens font non-stop machine de guerre, lance-grenade,
machine de guerre lance-grenade. Je connais même pas les atouts, ces trucs de noob. Enfin, moi, je le dis ouvertement, je trouve que c'est pour les noobs. Hein. Machine de guerre lance-grenade et... je sais plus quoi. Vraiment, ça, c'est... Oh là là, ça, je trouve que ça gâche ce magnifique jeu. Donc bon, en essentiel pro, la plupart des gens qui vont dedans, ils sont là pour fraguer. Bon, forcément, il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans des parties, ils essayent de faire leur kéké en jouant à l'UMP. C'est vrai que bon, voilà, mais bon. Il y a quelqu'un qui va faire ça dans la partie... Je vais quand même réussir à, on va quand même réussir à le stopper. Mais bon, après, ces lance-grenades light, ça, j'en avais déjà parlé sur ma dernière vidéo sur Modern Warfare 2 qui date d'un petit moment maintenant. Que voilà, je trouve que la communauté, enfin, une partie de la communauté rend ce Modern Warfare 2 de plus en plus injouable. Mais bon, on peut quand même s'y faire et c'est toujours autant un plaisir d'y jouer. Alors après, c'est sûr que vous allez me dire, mais attends, toi aussi, tu fais partie de la communauté. Oui, je fais partie de la communauté. D'ailleurs, on fait tous partie de la communauté, toutes les personnes qui jouent à Modern Warfare 2 régulièrement, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye de jouer un minimum proprement, en quelque sorte, pour éviter de salir cette communauté et aggraver le cas qu'elle a déjà. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes sur Modern Warfare 2, allez en essentiel pro et voilà, jouez avec vos amis, que vous soyez à l'arme ou au sniper, c'est toujours agréable. Vous allez voir vraiment que quand il n'y a pas tout le temps, on entend le bruit du arrière comme ça, la nuque, enfin là je fais les bruits tout con, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça gâche le jeu. D'ailleurs, c'est une très bonne initiative de la part d'Infinity Ward que sur Modern Warfare 3 ils aient laissé la nuque, enfin ils l'ont appelé la Moab, et que là par contre ça n'arrête pas la partie, parce que c'est vrai que quand ça arrête la partie c'est assez chiant et ça gâche le plaisir de jeu des autres. Donc bon, donc là j'avais switché que sur le barrette, là ça fait un petit moment, et vraiment le barrette que j'apprécie tout particulièrement. Par contre, alors je ne sais pas si vous allez approuver ça, c'est vrai que le barrette de Modern Warfare 2, je le trouve un peu plus lourd à utiliser. Quand on le regarde, il est plus lourd. Celui de Modern Warfare 3 est plus aplati, mais il est tout aussi agréable à jouer. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit précédemment, au début de la vidéo, on est, moi là je suis en vacances, hein, donc je vais vous expliquer, enfin je vous l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo, hein, je vous ai expliqué vraiment en détail ma technique en quelque sorte, et d'ailleurs je vous la conseille si vous êtes un youtubeur et que vous partez en vacances. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que sur une semaine, enfin 5 jours plutôt, j'ai eu le temps de faire mes vidéos. Donc en fait j'ai tourné tous les gameplays, je me suis dit je vais faire un minimum de variété, donc d'ailleurs vous l'avez remarqué durant ces semaines. Bon, j'ai pas mal travaillé, il faut l'avouer. Après je vais pas dire ah, arrêtez, j'ai travaillé, faut me dire bravo et tout, c'est pas ça, mais c'est juste que faire les vidéos en live et autres, c'est vrai que ça prend pas mal de temps pour tout simplement. Donc bon, enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour vous faire plaisir. Donc en fait, j'ai fait toutes les vidéos en avance, j'ai fait les rendus, je les ai uploadées. Et en fait, au lieu de les uploader en public, je les ai uploadées en privé, d'accord. Et pour que vous ayez un minimum de rythme régulier, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Hein. Ce que j'ai fait, alors là, un petit commando, voilà, encore une petite chose qui est chiante sur Modern Warfare 2. En fait, ce que j'ai fait, d'accord, c'est que j'ai les ai uploadées en privé. Donc toutes les vidéos ont été uploadées en privé et, en fait... je les ai rendus publics au fur et à mesure. Donc par exemple la première semaine j'en rendais une publique, la deuxième semaine la deuxième publique, et donc au fur et à mesure ça faisait comme si je venais d'upload les vidéos et comme si bah j'avais un rythme normal, que j'étais chez moi et que j'avais le temps de faire mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous êtes vous-même un youtubeur ou si un jour vous ne faites pas de vidéos et que vous voulez vous poser des questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous voyez, j'arrive deuxième avec un score de 29-20. J'espère que quand même ce gameplay vous aura plu. Moi en tout cas, j'aurais vraiment eu un énorme plaisir à jouer à Modern Warfare 2, qui est vraiment un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Donc je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.